اخ محمود C'est avec une grande joie. باش الناس قاعد تشوف كبر كبر رجع لهم استاذ اصبر شويه كبر كبروا Eh bien, ça nous fait un grand plaisir que nous avons aussi avec nous un journaliste de la presse locale. C'est vrai qu'on a fait un peu, c'est pas vraiment bien organisé cette année, on l'a fait un peu vite. C'est pour cette raison que j'ai envie de remercier d'une façon très chaleureuse Madame le maire, même si l'invitation qui lui a été faite était un peu tardive par rapport au nom, nous reconnaissons que sa réponse a été positive dès le début. Pourquoi ? Parce que l'année passée, nous avons reçu de sa part, de son équipe, un accueil très chaleureux. Je veux, au nom de l'Algérie du peuple, qui sont réunis aujourd'hui, qui sont là, c'est l'Algérie du peuple, au nom de l'Algérie du peuple, j'ai envie de la remercier, parce que pour moi, elle reste l'élu et l'élu de la population évianale. Donc, nous la remercions et j'ai envie vraiment de la saluer pour nous avoir accueillis. Maintenant, je vais essayer de présenter quelque chose au nom de l'Algérie du peuple parce que nous sommes réunis aujourd'hui au nom de l'Algérie du peuple. Nous avons été, et beaucoup parmi vous étaient avec nous, le 11 février à Bruxelles au Palais d'Egmont. Si vous vous rappelez, ce jour-là, il y avait beaucoup parmi nous, et j'ai reçu beaucoup aussi d'appels qui me disaient qu'il y avait beaucoup qui ne savaient pas qu'au Palais d'Egmont aussi, pour la première fois dans l'histoire, avait été entendu l'appel à l'indépendance de l'Algérie. Le 10 février 1927, au Palais d'Egmont à Bruxelles, la population mondiale, l'opinion internationale a entendu un discours qui a été fait par le représentant de l'étoile nord-africaine à l'époque. Il a fait appel à l'indépendance de l'Algérie en 1927. Et donc, le 10 février 1927, qui correspondait à l'Algérie du peuple, c'était le 11 février 2023, et bien nous sommes aujourd'hui, le 18 mars à Évian, le lieu où a été signé les accords définitifs, les accords d'Évian qui scellent à jamais l'indépendance de l'Algérie. Donc, le 18 mars, ici à Évian, regardez, l'appel a été fait le 10 février 1927. Eh bien, le 18 mars 1962, la ville d'Évian a accueilli les négociateurs algériens et français pour négocier la paix et pour négocier la fin de la guerre. Et en même temps, ce n'est pas une fin de la guerre uniquement, c'était la fin du colonialisme et c'était aussi l'émergence d'un pays dont la Société des Concerts des Nations, et surtout c'était des citoyens algériens à l'époque qui étaient traités comme des sous-hommes, qui sont devenus indépendants. Et là, c'est l'émergence de l'Algérie en 1962, alors que l'appel a été fait en 1927. Donc, regardez, l'idée, c'était une idée, une pensée, qui était dite en 1927, elle s'est concrétisée en 1962. Donc, c'est comme si nous, on est aussi dans le prolongement de cette histoire, de l'appel à l'indépendance elle-même, et qui a accueilli, qui est cette ville qui a accueilli les négociations, c'était la ville d'Évian le 18 mars. Donc, pour moi, Évian représente, et je l'ai dit, un socle commun entre deux peuples, qu'on le veuille ou non. Ce jour-là, c'était un jour de négociation entre les Algériens et les Français. D'un côté, l'Algérie est devenue indépendante, mais d'un autre côté aussi, les Algériens, comme les Français, ils se sont libérés, comme le dit Jean-Paul Sartre, de la tyrannie coloniale. Parce que même
le peuple français. Il s'est libéré aussi du système colonial, parce que qu'on le veuille ou non, le système colonial, il a trahi le message universel de la France de 1789. C'est comme si les accords de Lyon ont libéré deux peuples. Le peuple algérien est devenu indépendant, il est rentré dans la scène de l'histoire. Et le peuple français aussi s'est libéré du système colonial qui trahit son histoire. Donc c'est pour cette raison que les accords de Lyon doivent rester un moment historique, un moment fondateur et un moment de mémoire. Aujourd'hui, au nom de l'Algérie du peuple, j'ai envie de présenter à Madame le maire une demande sous forme de requête pour faire en sorte que la ville de Lyon ne soit pas uniquement une ville d'histoire. Si vous prenez maintenant nous ou nos enfants, lorsqu'on parle de Lyon, nous visitons Lyon dans les livres d'histoire. Mais si nous allons nous promener à Lyon, on ne retrouve pas cette histoire dans l'espace lyonnais. C'est ça le plus important. Comment faire que, au lieu de rencontrer uniquement Lyon dans les livres d'histoire, nous allons la rencontrer dans l'espace? Parce que c'est pas Madame le maire nous accueille dans l'hôtel de ville, dans le au mois d'Evian. Mais les négociations n'ont pas eu lieu ici. Les négociations, elles ont eu lieu dans l'hôtel du Parc, qui est dans l'avenue de la Grotte. Et l'hôtel du Parc est devenu une habitation privée. Alors que l'hôtel du Parc est un socle commun pour l'Algérie et pour la France elle-même. C'est notre lieu d'histoire. Pour moi, ce jour-là, le 18 mars, lorsque Kim Belkacem a échangé sa poignée de main avec Jobs, lorsqu'on échange une poignée de main avec quelqu'un, quel est le nom dit? C'est qu'une nouvelle histoire va commencer. Pour moi, ce moment-là, c'était la fin d'une histoire. Une histoire tragique, oui, mais cette histoire tragique s'est terminée le 18 mars 1962. Il fallait bâtir une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, malheureusement pour nous, autant qu'Algériens, c'était l'idée, comme l'avait dit Henri Allègre, on a un grand chemin, il faut tout rebâtir, surtout bâtir un État et fonder un nouvel État. Malheureusement, après 60 ans, nous sommes le seul peuple dans l'histoire qui revendique deux fois dans son histoire l'idée de l'indépendance. Si vous cherchez dans toute l'histoire contemporaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui demande deux fois dans son histoire l'idée de l'indépendance. Et le 5 juillet 2019, à Alger, le peuple a demandé une nouvelle fois son indépendance. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu écrire une nouvelle histoire. C'est-à-dire que le 18 mars, on aurait rêvé que les deux peuples écrivent vraiment une nouvelle histoire. Malheureusement, cette nouvelle histoire n'a pas été écrite. Chez nous, la preuve est là. On est là plus au nom de l'Algérie du peuple qu'au nom qui représente les institutions de l'État algérien. Parce que même l'Algérie, elle a essayé d'effacer de notre mémoire les accords d'Évian. C'est vrai qu'on n'a pas les pourcards, les affaires ouvertes. Moi, par exemple, j'ai 65 ans. Ceux qui sont alliés, 50, 65 ans, je peux vous le dire en toute sincérité, on ne peut pas séparer l'indépendance de l'Algérie de l'image de l'hôtel du Parc. Elle est gravée dans notre tête. Moi, mon identité historique, nationale, elle est liée à cette image. J'ai toujours cette image. C'était la seule image que nous avons de l'hôtel du Parc. Lorsqu'ils ont pris cette image à l'hôtel du Parc. Pour moi, l'indépendance de l'Algérie est liée à cette image-là. Et j'avais une autre image lorsque les négociateurs algériens descendaient de l'hélicoptère. C'est resté parce que dans les films, il y avait cette image-là. En votre nom et au nom de l'Algérie du peuple, nous demandons à Madame le maire, avec l'accord du conseil municipal, si quelque chose peut se faire, une plaque commémorative, explicative des accords d'Évian, pour les deux peuples et pouvoir faire une plaque dans le lieu d'atterrissage de l'hélicoptère des accords d'Évian, pour que ça reste réellement un lieu de mémoire. Et c'est ça ce qui est important. Hier, j'ai dit à mon fils, je pense qu'on est tous dans le même cas, demain je serai absent. Il m'a dit, oui je sais, mais où tu vas cette fois-ci? Je vais à Évian. Qu'est-ce qu'il me dit? Ce qu'elle a fait les autres. Et bien j'étais très content. Ah, les accords d'Évian.
mon fils pour lui. Et vu, on n'évoque que des accords d'Évian. Ah, c'est comme si, au nom de mon fils, alors que mon fils, il est né ici. Il est français. Il veut s'approprier son histoire. C'est vrai que nous vivons une concurrence des mémoires. Mais pour moi, pour sortir de la mémoire, ça c'est la phrase de Pierre Nora. Si la mémoire divise, l'histoire rassemble. Donc, en me disant, ah, les accords d'Évian, eh bien, madame le maire, en mon nom, une autre génération, au nom de mon fils qui est là, et qui veut bâtir une cohésion sociale, un vivre ensemble, puisqu'il est français, je souhaiterais un jour que lorsqu'il visitera Évian, il trouvera quelque chose qui lui parle des accords. Voilà. Donc, madame de Bouche qui doit signer ici après. Une dernière phrase pour madame le maire et le conseil municipal. Nous, Algérie du peuple, demandons à madame le maire, au fond, fonge la vie pour que ça soit quelque chose de solennel, pour que tout ce qui nous regarde, tout ce qui sont là, tout ce qui nous regarde sache. Que nous avons fait une demande officielle à madame le maire pour qu'Évian ne soit pas uniquement un lieu d'histoire, mais pour qu'elle soit un lieu d'espace. C'est-à-dire qu'il faut que l'espace évianais parle. Demandons à madame le maire et au conseil municipal de la ville d'Évian de prêter à notre demande une attention particulière. Nous sommes conscients que le sujet fait débat. Nous sommes vraiment conscients que le sujet de la mémoire fait débat. Mais l'histoire témoignera que la décision qui a été prise dans le sens, j'anticipe réellement Madame Lié, c'est comme si réellement vous avez le conseil municipal sous votre présidence va accorder une réponse positive à notre quête. Alors je dis, l'histoire témoignera. L'histoire témoignera que la décision qui a été prise ce jour-là, le jour où la décision sera prise, par le conseil municipal est une décision juste. Par cette décision, vous confirmez, je n'ai pas porté mes lunettes, mais ce n'est pas grave. Par cette décision, vous confirmez, puisque je suis l'auteur, donc je peux lire. Et vous vous inscrivez, là je parle réellement à madame le maire et au conseil municipal et au journaliste qui est là pour témoigner réellement, c'est un appel qu'on fait à la ville d'Évian, tout entière. Par cette décision, vous confirmez et vous vous inscrivez dans l'esprit de votre ville. Elle voulait, veut être, non une ville, mais la ville de la paix et de la fraternité en France. Pour madame le maire, il y a uniquement Nora qui va signer. C'est une danse, c'est la requête et la demande que nous transmettons à madame le maire, mais nous la transmettons. Ah, non, attends. Je voulais garder le même style. Ah, si vous voulez prendre une photo, oui. L'Algérie du peuple, elle montre tout ce qu'elle fait. Si vous voulez prendre une photo, vous avez. Parce que ce que nous faisons, il est public. Voilà, bien. Voilà. Oui. Madame Bécouche, va transmettre la lettre à la bibliothèque d'Évian pour que ceux qui viennent plus tard liront
le livre de Ben Khattab qui était le président du gouvernement provisoire de la révolution algérienne au moment où les accords ont été signés. Cette année, puisqu'on ne peut pas lui offrir deux fois le même livre, cette année nous lui offrons un livre de Jules Roy. Et je demanderai à beaucoup c'est vraiment ceux qui ont la possibilité de se procurer ce livre, de le lire. Jules Roy, il est né au Rue Vigo, en Algérie, si ma mémoire est bonne, 1907. Toute sa famille a vécu. C'est quelqu'un qui raconte vraiment cette épopée coloniale et cette fracture coloniale. C'est l'histoire de sa famille. C'était un aviateur français qui a, à la fin, admis au fond de lui-même que l'Algérie devait être indépendante. Il a combattu avec ses frères à cette époque-là parce qu'il se considérait algérien aussi. Il a combattu aussi avec les Algériens. J'ai envie de vous lire une phrase de Jules Roy. La dernière. À tous ceux qui se sont battus pour la justice. Regardez, lorsqu'on arrive à un certain stade, lorsqu'on fait ses mémoires, c'est-à-dire que tout est dans la justice. À tous ceux qui se sont battus pour la justice, aux enfants d'épiciers kabyles et aux ouvriers de la ferme qui se sont jetés dans la révolution, aux égorgés, aux fusillés, aux torturés, à ceux que rien, ça c'est très important, il faut le reconnaître, c'est une tragédie, c'est l'irrationalité de l'histoire aussi. Il y avait beaucoup de colons, de fils de colons qui ont passionnément aimé l'Algérie. Alors qu'est-ce qu'il dit pour eux? À ceux que rien n'a consolé de la perte d'un paradis. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez sur Tipaza, sur tout ce qui a été écrit bien sur l'Algérie, ils le disent tous, on ne peut pas vivre en Algérie et ne pas l'aimer. Et la preuve, nous, on est là pour parler encore et encore de l'Algérie. Donc, il le dit à tous ceux que rien n'a consolé pour avoir perdu ce pays qui était le leur aussi, comme à ceux qui ont conquis leur dignité par la douleur et la souffrance. Et c'était ça l'air. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on veut vivre dignement, librement, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Ça c'est pour Madame le maire. Et là, Madame le maire, comme je vous l'ai dit, ça, on voulait, c'est ça la générosité. La générosité de l'Algérie du peuple, on voulait lui offrir des gâteaux pour que lorsque le conseil municipal siégera, au moins il saura que nous sommes des bâtisseurs d'une vraie fraternité entre les deux peuples. Mais sans oublier ceci, comme l'a dit quelqu'un, ça je vous dis la dernière phrase, pardonnez oui, mais on dit pardonnez toujours. Qu'appelle-t-on par le pardon? Pardonner, c'est pardonner l'impardonnable. C'est ça le vrai pardon. Mais pour pardonner l'impardonnable, ici en France, nous disons au peuple français qu'il faut cesser de faire l'éloge de la colonisation. C'est ça le vrai pardon. Lorsque une partie en France cessera de faire l'éloge de la colonisation, et lorsqu'elle comprendra que la colonisation était une véritable tragédie, parce que derrière la colonisation, il y avait l'anéantissement d'un peuple. Moi, je l'ai écrit dans une phrase. La colonisation, qu'est-ce qu'elle a offert au peuple algérien, à part la misère et le mépris? Donc, ça, c'est... Donc, c'est ça. C'est-à-dire, même Jules Roy, à ceux qui ont acquis leur indépendance à travers la souffrance, c'est que, au nom de tout ça, au nom de tous ceux qui ont compris que la liberté a un prix, à ceux qui sont engagés d'une façon tout à fait claire, il n'y avait rien que l'envie du sacrifice. Et c'est ça. Lorsqu'on est habité par une grande cause, ça je vous le dis, il n'y a aucune richesse. Ça, l'homme de 65 ans qui vous le dit avec toutes les lectures, il n'y a aucune richesse qui vaut
l'idée qu'on vit ou qu'on meurt pour une grande cause. Juste un petit mot. Cette demande, on sait aussi que la municipalité, elle est souveraine aussi. Que c'est juste pour ça dire. Madame le maire, on prend une photo avec elle et on va prendre la route. Dis-moi qu'il y a un hommage au maire assassiné. Au maire assassiné. C'est ce que j'allais dire. Hein. Bah ouais. Oui, alors attendez, je vais poser ça. Peut-être. Oui, elle doit. Mahmoud. Elle doit. Peut-être non. Juste dire un tout petit mot. Oui, voilà, voilà. Bien sûr. Alors, vraiment, du fond du cœur, au nom de moi-même et de mes collègues élus, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence aujourd'hui. Et comme toutes les années, c'est avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir que je vous accueille. Et parce que pour moi, c'est important et je vous rejoins. Évian est une ville de paix. Si on regarde notre histoire, au moment de la Première Guerre mondiale, nous avons accueilli énormément de réfugiés qui venaient du nord de la France et de la Belgique. Et ils sont venus à Évian et ils ont été accueillis à Évian. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un colloque au Royal, juste là en haut, qui s'appelait, qui est devenu le colloque de la paix, de la honte, excusez-moi, de la honte, parce qu'en fait, ils ont essayé de trouver des solutions pour ne pas rentrer en guerre, ils n'y sont pas arrivés. Évian, 1962, et c'est l'année de ma naissance, les accords d'Évian, qui ont été entachés pour nous, ici à Évian, l'année d'avant, par l'assassinat de notre mère, Camille Blanc, qui s'était engagée, qui avait justement cette volonté de la paix, mais de la paix entre les peuples, effectivement, et au sens large. C'était quelqu'un qui était passionné par la chose publique et qui avait vraiment envie de porter ce message de paix. Et il en a été assassiné juste là derrière. Des accords d'Évian qui ont été donc signés l'année d'après. Et puis, plus proche de nous, en 2003, le premier G8 élargi sous Jacques Chirac, où là, la question a été, est-ce qu'il ne faut pas prendre des autres pays pour discuter justement des sujets aussi importants comme la paix et pas avoir que des pays, les 7 ou les 8 émergents. Donc c'est à Évian qu'on a commencé à avoir des pays qui sont rentrés dans le G8, comme le Brésil, des pays, il y avait l'ONU aussi qui était là, et c'était vraiment aussi une ouverture sur la paix. Donc Évian est une ville de paix, j'en suis convaincue. On travaille d'ailleurs là-dessus au niveau de l'image de cette ville. Une paix, mais c'est aussi une paix intérieure, quand on en parlait tout à l'heure, quand vous arrivez ici, vous êtes au bord du lac, quand vous êtes à Évian, il y a ce sentiment de sérénité et de paix intérieure. Cette paix intérieure, elle est aussi importante. Et c'est pour ça qu'on va travailler autour de la paix. Et je m'engage à porter votre demande auprès du conseil municipal pour trouver une solution. Okay. Allez. On va demander un grand hommage. Avec les pneus, hein. Attendez, on prend une photo globale avec madame le maire. À l'extérieur, oui, à l'extérieur. Ah, d'accord. Ah, non. Il faut s'engager pour défendre les grandes questions de la paix et de la justice. Bah, j'ai écrit un petit mot l'année passée, on était là avec l'idée qui resterait, voici son image. Ceux qui n'ont pas une idée sur Camille Blanc, voici son image. Moi j'ai écrit l'année passée un homme, un héritage, l'exemple de la grandeur humaine au service de la paix et de la justice. À nous,
Evianais et Vianaises, Français et Algériens, d'être les dignes héritiers. Parce que l'année passée, je voulais ajouter un petit mot pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Monsieur Camille Blanc, merci. Vous avez œuvré jusqu'au sacrifice suprême pour que se taisent les armes en Algérie et que celles-ci soient indépendantes. Nous œuvrerons nous aussi à écrire une nouvelle histoire entre les deux peuples algériens et français. Merci. Oui. Alors, Camille Blanc, grand monsieur, les Évianais qui ont vécu cette période s'en souviennent encore et le pleurent encore. C'est toujours un gros sujet sur Évian et comme vous disiez tout à l'heure, la plaine n'est pas fermée. Ce bâtiment, il est historique, il ne nous appartient pas encore et on a lancé une procédure pour l'acheter. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile parce que c'était un montage financier où des gens ont été spoliés quand ils ont acheté ce bâtiment. Il a été acheté en 49 lots, le promoteur est parti avec l'argent. Donc on est en train, donc il y a la justice qui a travaillé, on est en train de racheter ce bâtiment. On est à 40 lots. Achetés, il en reste 9. 9 qui sont extrêmement compliqués puisque les gens sont décédés. Mais on est en train de l'acheter et je me suis engagée auprès de la population à poser une question. Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? La famille de Camille Blanc n'est pas forcément pour le garder. Il est tout abîmé pour le refaire. Absolument. Et je me suis aussi engagée auprès de la famille de Camille Blanc en fonction de la destination de cet espace. Si on le détruit, par exemple, il y aura un parc. Et ça sera le parc Camille Blanc. Qui a créé les accords de Camille Blanc, qui a lancé les accords. Le souci, c'est que, hormis cette plaque ici, à Évian, rien d'autre ne parle de Camille Blanc. Donc c'est vraiment et des accords. Donc c'est vraiment une volonté aussi de notre part de trouver l'endroit où on va pouvoir faire vraiment un hommage. D'accord, les deux ensemble. Les deux ensemble. Voilà. Moi j'ai envie d'ajouter un mot, si vous permettez, à nos Algériens qui nous suivent et pour qui nous regardent, pour qu'ils sachent pourquoi nous sommes là. Il faut rendre hommage à Camille Blanc pour qu'il sache qu'il a été assassiné pour une raison simple, parce qu'il a offert sa ville pour que les négociations se fassent ici. Donc, il a donné, c'est ça ce que j'ai dit, le sacrifice suprême. Puisqu'il était engagé dans l'idée de la paix, il a pris conscience que l'indépendance de l'Algérie est un bienfait pour les deux peuples et qu'on ne peut pas indéfiniment traiter un peuple en sous-humanité. Il a dit, j'offre ma ville pour qu'elle soit le lieu de la paix, de la négociation. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été assassiné. Et c'est pour cette raison-là qu'on est ici pour le rendre hommage. Si Madame le maire nous accompagne, c'est que la ville nous accompagne. Non, jamais. جزيرهم باعوك حكم عليك بالانتحار بولادك زادوا هدوك تقول رانا في استعمار هدوا فينا بالعالم.
عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات حرقتوا بلدنا وذبحتونا يا جنيرالات العار غرقت ولدنا اقتلتوهم ورميتوهم في البحار نظام هجر الملايين واللي بقى يقول الهربوي الأمة تلوح قلبها مجروح وكلكم رب العالمين يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات احنا اولاد المليونية اللي ضحوا على الوطنية ما تتهمنيش بالفوضوية حابين ها ديمقراطية ارواح تشوف يا شهيد حبوا يردونا عبيد يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات يا نظام المجرمين يا تجار الكوكايين عيشتونا في جحيم من عام 62 يسقط يسقط حكم العسكر اللي خرب واللي دمر ويعيش الشعب المناضل حتى نجيبه الحرية يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في المحتقلات يسقط يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لدينا في Si vous permettez, quelle est ma cassera? Cassera, maintenant. Cassera. On a oublié, parce que madame le maire est ici, l'année passée, lorsqu'on a fait la cérémonie, il y avait un Evianais, monsieur Guiro Alain, qui a été décédé et qui n'a pas pu être parmi nous, donc réellement il est mort. On veut lui rendre hommage parce qu'il a été avec nous un Evianais, donc on lui rend hommage en présence réellement de madame le maire. Concernant l'hôtel du Parc, le territoire est à quel point il y a un khatr, le Hukul, le Hurra ou le Jazeirin, le Kul. Maintenant, on fait rappeler. العصابة هذه والنظام هذا منذ تاريخه لم يحترم تاريخنا لا بروف لله سو ريجيم سو سيستيم نا جامي ريسبكتي نوت هيستوار ليستوار دو لا جيم لا بروف ميم سي اوجوردي صح اون كاليفي لي زاكور دي فيون بور سيرتان ابري كوم لو جور دو لا فيكتوار يوم النصر بن خداس Le même jour des accords d'Évian, le 18, deux discours ont été faits à 20h. L'une par le général de Gaulle et l'une
par le Ben Khadda le jour du 18, à 20h. Ben Khadda, il le dit pour l'histoire. Yom Intisar. Yom Wakhwit Lakhna. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est bien après qu'on a accepté l'idée de Yom Nas. Mais au fond, Jaysh al-Hudud, Omar Homma, Terfoub, les accords d'Evian. Comment ils ont qualifié les accords d'Evian? Une plateforme néocoloniale, imaginez-vous ceci. Vraiment, vous êtes au la preuve, coule le rigel. Ils ont écarté de l'histoire, de notre histoire d'entre nous. Qu'est-ce qui est devenu ce pacte d'une autorité privée? On peut dire à la France que vous avez failli, il y a un manquement à l'histoire parce que ce parc devait être une propriété, un patrimoine historique. Et je le dis à Madame le maire, ça nous ferait un grand honneur que l'hôtel de parc fera partie du patrimoine historique d'Evian et on le retrouve dans les annuaires touristiques. Lorsqu'on dit Evian, hôtel du parc d'histoire, hôtel du parc annuaire touristique. Et dans ma mémoire, je n'ai pas l'impression que l'hôtel du parc fait partie du patrimoine historique, ni de la France, ni d'Evian, ni des annuaires touristiques. Donc, ce parc-là, dans cet hôtel a eu lieu les négociations qui restent un moment fondateur, un moment historique pour notre peuple parce qu'il acte la naissance de l'Algérie indépendante. Qu'est-ce qu'il a fait le système? Regardez. Aucune preuve. Aucune trace. Aucun signe qui indique qu'ici, ceux qui ont représenté notre histoire étaient présents. Ils ont négocié. Il faut comprendre que la négociation était un moment très attendu. 8 ans de guerre, 132 de colonisation. Donc il fallait un grand moment. Il n'y a pas de grand moment dans l'histoire indépendante de l'Algérie que ce moment. Et ce moment-là, il est effacé de notre histoire. De notre mémoire. Moi, je ne garde pas de stage. ولا تحترم شخصية الجميع لأنها تدمر شخصية لازم يكون عندنا فكرة سلوي كي توفور طوني سوار كي نرسبك با طوني سوار كي نرسبك كي تميس ريال فونتك على ذيك اللي أوني أنكار توجور جسكا فريزون لبيب رجل يهويت بوصنا اندفاتو كل قوات كون نزافولي نوتي سوار اتر ايبيان سي اتر او كور دو سوار وجودي نازل ايبيان اننا موجودون في قلب التاريخ في قلب الذاكرة الجزائرية لأن إيفيون مرتبط بتاريخنا مرتبط بشخصيتنا الوطنية لا نفصل إيفيون بشخصيتنا الوطنية وشخصيتنا التاريخية وماذا فعلت العصابة؟ انظروا alors que les parcs elles peuvent acheter une école de parcs plus on peut le transformer en fondation des accords d'Evian pour que nos enfants lorsqu'ils viennent ici ils retrouvent leur histoire. Vous ne pouvez pas imaginer la joie d'un enfant lorsqu'il sent que les lieux lui parlent, que les lieux représentent son histoire. Et lorsqu'il se promène, il dit, ici, mes grands-parents étaient là, ils ont fait un grand acte. Et ça, c'est très important dans notre histoire. Moi, je lui dis, une fois ma fille, parce que je reviens souvent à nos amours, elle a compris une définition. Être, c'est porter une histoire. Voici la définition. Je son regard. Être, ah, voici notre Adil Tariq. Le Tariq. Nous sommes ici au nom de l'Algérie du peuple. Comme on a ici, avec Dezé El-Chad. Après 61 ans, Madame le maire, avec votre permission, comment nous, Algérie du peuple, nous voyons l'Algérie de 2023, voici une après les années, les accords 62, voici ce que nous avons en Algérie. On a encore une nouvelle colonisation. On a l'Algérie du peuple et on a l'Algérie des Chinois. Jusqu'à présent, le peuple demeure sans indépendant. Voici la charte de l'Algérie du peuple. Il y a deux Algéries. Et bien, je vais vous dire ce que m'a dit ma fille. Être, c'est porter une histoire. Et nous voulons, aujourd'hui, avec la présence de Madame le maire, que la poignée de main, que ces hommes-là qui étaient le 18 mars 62, nous allons réaliser leur rêve, fonder un véritable État. Jazair al-Shab, c'est un haqq moustakbalen dawlat al-Shab, inshallah. On va fonder un État démocratique, libre, un État pacifique, un État de justice, un État populaire, un État social. Ils ont donné leur vie pour ce rêve.
ce rêve, il a été trahi, trahi par ce système. Eh bien, nous disons à Madame Le Maire, en son nom et à tous les Évianais, que c'est à nous, c'est à notre rôle maintenant de bâtir une nouvelle histoire. Une histoire axée sur la paix, la justice et la fraternité humaine. Ces hommes-là étaient là pour écrire une nouvelle histoire. Jusqu'à présent, on ne l'a pas écrite en Algérie, parce qu'on a encore deux Algéries, l'Algérie du peuple, l'Algérie des généraux. Nous allons écrire leur histoire dans le futur, avec l'Algérie du peuple qui réalisera l'état du peuple. Dawlat al-Sham, Inch'Allah, c'est au haqq. Avec le code de com, lorsqu'on était à Bruxelles, Jazair Sham, Laysef, Barnes, فهموها كبديل الحاج جزائر الشعب إنها بديل للنظام مستقبل إن شاء الله نسأل البيت et on remercie Madame le Maire sa présence. Je vous remercie au nom de l'Algérie du peuple. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جهل ما طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا إن شاء الله ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا